C'est dans l'enceinte du camp Sungeta Keita de Kankan, précisément à la garnison, que ce jeune a été présenté à la presse en compagnie d'un mouton qu'il a volé. Il a été appréhendé dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 janvier 2022 au quartier Bordeaux, commune urbaine de Kankan, alors que son compagnon d'infortune et lui venaient de voler un mouton. Selon le capitaine Ibrahim Assidbé, officier de la garnison du camp Sungeta Keita, le mis en cause évolue au sein d'un groupe composé d'une vingtaine de jeunes dont le but est de voler un bétail chaque week-end, l'égorger et faire la grillade. Petit miminanini, ça ira pour 2h du matin à Yemotoka. La nuit du samedi au dimanche, il s'est fait prendre par la patrouille alors que son ami et lui venaient de voler un mouton sur une moto. Ils ont été pourchassés par la patrouille avant de laisser tomber la moto et sont rentrés dans le quartier avec le mouton. Alors on a informé les jeunes de ce quartier. Ce sont eux qui l'ont arrêté et le déposé chez nous. Son ami a pris la poudre d'escampette. Ils ont un groupe d'une vingtaine de jeunes et ils ne connaissent rien à part le vol de bétail. C'est une sorte de tontine. Chaque dimanche, un d'entre eux est obligé d'envoyer un bétail pour faire la grillade. Mais dimanche, bolo du domo kle na ka na sadi. Sa olem na to ko kanate ayodam. Wo dimanche kunyon fana bolo du domo gore fana na. Devant notre caméra, MLK, le mis en cause, explique comment lui et ses amis opèrent. C'est en venant qu'un policier nous a demandé de nous arrêter. Directement, on est rentré dans le quartier. C'était à 2h du matin. Lorsqu'on est tombé sur la moto, mon ami s'est échappé et moi j'ai été arrêté par les jeunes du quartier Bricterie. C'est notre grand du quartier, Mouri Diallo, qui nous a donné sa moto et nous a demandé d'aller voler le mouton pour faire la grillade. Dans notre groupe, on est au nombre d'une vingtaine. Chaque dimanche, on égorge un mouton ou une chèvre pour passer bien le week-end. Maintenant, c'est un autre tour ce dimanche. Je demande qu'on me pardonne, je ne ferai plus. L'officier de la garnison du camp Sungeta Keita de Kankan fait savoir que ce réseau va être démantelé et les autres membres seront mis aux arrêts. Dans la même foulée, un présumé voleur de moto tricycle a aussi été présenté à la presse.